Fun Radio. Enjoy the music. Alors, pour le tuto, alors, t'entends le démarrage, le mec il est déjà pas bien sur le alors. Il est déjà il a fait. Alors. Non, je me suis remis en question sur les tutos. Ah, ok. J'ai regardé un petit peu ce qu'on avait fait et tout, et j'ai vu, en fait, il faut que je me concentre sur un truc. C'est quoi? Il y a. Tous mes tutos textiles ont bien marché. C'est-à-dire que j'ai fabriqué une brassière avec un slip. Ah oui, c'est vrai. J'ai fabriqué le sac à pluie. Ouais. Tout ça, c'était des succès. Ouais. Donc là, j'ai cherché de ce côté-là. Et j'ai trouvé un tuto pour recycler ces vieux jeans. Ok. Et en faire un objet design. Ah bon? Ouais. En faire un fauteuil. Alors pour ça, faisons entrer les jeans. Ok. Wow. Pour ça, il nous faut des jeans. Ouais. Trois minimum. Ah, tu veux dire pour faire entrer? Oui, c'est-à-dire que pour faire un fauteuil en jean, vaut mieux. Oui, ouais, il faut des jeans. Notez-le. Dans les jeans, vous les bourrez avec tout ce que vous trouvez. Genre. Donc là, nous, on a trouvé du papier bulle, des serviettes, des dossiers d'Amir, des trucs comme ça. On a tout bourré dans les jeans. Ouais. Et ensuite, il faut une agrafeuse. T'as l'agrafeuse ? Oui. Et avec l'agrafeuse, on fixe les jeans entre eux à la base et en haut. D'accord. Alors on retourne les jeans. Pour faire des boudins, quoi. Ouais. On retourne les jeans, tête en bas. Et avec les ceintures. Ça fait l'assise du siège. Ah oui. Donc on agrafe, enfin on joint le bas, les ceintures pour faire le bas du siège. Ça va pas marcher. Si ça marche. Vas-y, viens. J'ai plus du tout envie de vivre. J'ai plus la force de me battre. Là vous voyez, j'ai joint les jeans entre eux. Ouais. Et on a mis de la ficelle aussi en bas. Ouais, ouais. Qui passe dans les lanières des jeans. Ouais. Et donc il est bien bourré, ouais. En haut, il faut joindre les jambes entre elles avec une agrafeuse. Très bien. Okay. Je vais le faire en live. Ouais, donc là il agrafe les jeans, ok. Ok, bon. Super. Hop. Et après, donc... vous allez voir, je vais m'asseoir, c'est ultra stylé. Là, on joue à la deuxième pied. Qui a envie d'avoir un fauteuil jambe chez soi comme ça? À part Xavier Dupont de Ligonnès avec les. Attends, c'est beau. Tu sais, il y a les fauteuils mains. Hein, ça, et les fauteuils mains, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc là c'est beau. Non. Bah si, quand même. Non. Ouais, si, c'est pas mal. C'est... Non. Ça fait un peu comme un vase. Ouais. Comme une main qui t'attend, tu vois. Ouais. Mais j'ai toujours pas compris où est le siège. Hein. Là, c'est l'assise. C'est comme un pouf, tu vois, ça se met par terre. Vas-y, fais-le par terre. Donc regarde, je le mets par terre. Il se fout de ma gueule. Non, sérieusement, il se fout de ma gueule. Il a le pire intérieur. Attends, là, tu le trouves pas stylé? Non. Non. C'est Philippe Stark qui a fait ça. Et assieds-toi dedans. Là, je m'assois. En vrai, c'est hyper confortable. Ouais. Mais si t'as pas 17 ans et que tu fumes pas de joint. Tu t'assieds pas dans des trucs comme ça? Non, pas sûr. Mais c'est un public. Hein. attendez, ça marche. Ah ouais, ça marche. Si vraiment vous avez pas de fauteuil chez vous et des jeans, vous savez pas quoi en foutre, ça marche. Alors personne n'a envie d'avoir ça chez soi, mais ça marche. Non. On peut l'offrir. Non, bah on respecte nos auditeurs. Ah si, on peut l'offrir, c'est beau, mais c'est un bel objet. C'est dégueulasse. Alors attendez, vous êtes Clodo. Ouais. Et vous en avez marre des cartons, par exemple. Ouais. Bah, on a du tissu. Vous donnez, je sais pas. Comment tu vendrais ça, toi? C'est un fauteuil design recyclé. Alors, faut savoir un truc. Dès qu'il y a design dans quelque chose, ça veut dire que c'est moche. C'est la douille. Et que ça coûte une blinde. Imagine là un loft bien déco épuré, tout super joli. Et au milieu, t'as le pouf de jean. Alors, tu crois vraiment que le mec qui a de l'oseille pour s'acheter un loft, il va se dire, tiens, si jamais je prenais des vieux jeans que je foutais tout ce qui passe dedans, je me fais un fauteuil avec? Pour des pièces éthiques. Et d'accord. T'as sacrifié 4 jeans pour faire cette merde? 3. Et une séquence. Mais j'ai un autre tuto de jean encore mieux pour la prochaine fois. C'est vrai? Encore mieux? Ouais. Ah bah putain. Mais encore mieux. Fois, est-ce que tu seras encore vivant? Ah, ça, c'est la question. Comme réussir à avoir un rapport physique à un moment donné entre nous. Ouais, c'est possible.